Bonjour, 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 bonjour à Essifoil, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, désolé pour le petit, pour la petite interruption, voilà, le petit truc. En fait, j'ai lancé le live via le Stream Deck et je pensais que la mise à jour allait se faire, sauf que la mise à jour ne s'est pas faite. Donc j'ai dû couper le précédent live pour renvoyer un live avec la mise à jour. Parce que sinon, c'était Resident Evil Village, mais New Pokémon Snap. Donc c'était le gros Camoulox. L'up n'avait pas été fait sur Twitch. Enfin, c'est tout un bordel, donc il a fallu relancer le live. C'est tout un bordel, mais c'est pas grave, l'important c'est que nous sommes ici pour la suite de nos aventures sur New Pokémon Snap. Je rappelle, ce jeu c'est une pépite, pour moi c'est vraiment une pépite, c'est vraiment la grosse surprise de 2021, vraiment je ne le cache pas, c'est vraiment la grosse surprise de 2021, mais la surprise, l'agréable surprise, vraiment le jeu... J'attendais pas spécialement grand chose de New Pokémon Snap. Que je m'explique, je m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire. Je me dis, déjà Pokémon Snap c'était quelque chose de génial, quelque chose de génial qu'on n'avait pas vu venir. Mais New Pokémon Snap, je me suis dit, bon, vu la gueule des jeux Pokémon qu'on a sur la Switch, je m'attendais pas à quelque chose de mirobolant. Donc je ne m'attendais à rien, je m'attendais pas à quelque chose de spécial. Je me dis bon bah ça va être cool, ouais bon bah vu les images elles envoyaient le pâté et la sauce bolognaise. Je dis putain franchement si le jeu est comme ça, ce sera génial, mais faut pas rêver. Parce qu'à chaque fois on nous sort de la poudre de perlimpinpin et au final on a que dalle, au final on a rien, au final on est déçu. Donc là au final je dis je m'attends à rien, et là je me suis pris zbeuf, double claque dans la gueule, et à mesure qu'on avance dans le jeu, c'est zbeuf, c'est des claques, je me prends rafale claque dans la gueule. Donc sans plus tarder, let's go, la continuité de nos aventures sur New Pokémon Snap, où vraiment... C'est de la grosse surprise en barre. Peux-tu retourner explorer les fonds marins de Nantis? Nos capteurs y ont relevé une quantité d'énergie intéressante. Ah, les fonds marins de Nantis. Allez, on va aller, let's go. Yorosne. Les fonds marins de Nantis. Mais écoutez, professeur, on va aller dans les fonds marins de Nantis pour aller voir cette source d'énergie incroyable et magique. Cette forte source d'énergie. Le Bekipang qui va essayer de choper le petit Poiscaille. Ah, je crois qu'il a chopé le Love Disc. Merde. Alors, on va faire ça. Je voudrais changer le... tac, la vitesse. On va le mettre à 7. Voilà. Oh! Oula. Gamblast, allez, je vais t'envoyer des pommes dans la gueule. Oh! Oh! Il a tiré! On peut pas y aller? Oh! Mais c'est génial! Peut-être qu'on va voir Mew. Waouh! Les Loupio! Mais c'est magnifique! Mais quand je dis que je me prends des claques dans la gueule à chaque truc, c'est, je me prends des claques, je me prends mais des claques monumentales. Oh le Loupio, comme il est trop choupi! Tiens, une pomme. Mange une pomme, c'est bon les pommes.
Voilà là! Tiens, éclaire-toi. Oh là là! Oh le Magikarp! Tiens, mais prends ta. Voilà! Qu'est-ce que c'est? Oh! Il y a un truc là-bas! C'est pas assez rapide. Pour moi, c'est pas assez rapide. Il faut que ce soit un peu plus rapide. On va le mettre à 9. Voilà. Là, c'est un peu plus rapide. Oh! Oh le cliché! Voilà, comme ça, hop là. Fata! Comme ça, on voit tout. Mais! Ah, ça y est! La Walmer! La Walmer, elle brille! Ah, là, y a un truc à lancer. Mais! Wouah! Oh, il danse! Oh! Oh, la viscuse! La viscuse! Mais! Oh, elle est toute contente, la viscuse! Mais c'est génial! Tiens, viscuse! Oh, sa gueule! Oh, elle se fait attaquer, non? Ou alors elle joue avec des démentas? Oh, c'est trop choupi! C'est trop chou! Oh là 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 là! Incroyable! Vas-y, tu prends de trop belles photos! Oh, le lanturne! Je vais essayer de le sniper. Je vais essayer de le sniper. Oh, mais il y en a plusieurs! Il y a plusieurs lanturnes. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. C'est un luminéon qui est au fond de l'eau. Voilà, oh là, les lanturnes. Ouais, je l'ai eu. Waouh, excellent. Oh, mais c'est trop génial. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, c'est beaucoup mieux. Là, au moins, on est plus réactif. Qu'est-ce que c'est que ça? Merde, non, je vais lui jeter une pomme. Oh, un coquille-perle! Mais... Mais... Mais oh putain, j'arrive pas à le viser! Wow, le samouraï! Un samouraï sous l'eau? Sérieux? On va lui jeter une pomme, on va essayer de lui jeter une pomme. Encore des ruines antiques? Mais putain, j'arrive pas à le choper! Ah, une zone de pinguer. Cette ruche ensevelie semble dater de la même époque que les ruines. Il va se réveiller, oui. Réveille-toi! Encore? Encore du ping. Où c'est que je peux pinguer? Mais réveille-toi! Oh le Vasilis! Allez, dégage! Allez, avance! Tu es ma biatch! Putain, il y a plein de samouraïs! Allez, tu es mon esclave, avance. Ouah, je me fais engueuler!
Avance! Dépêche-toi! Vas-y, engueule! Sarasne! Oh là 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 là, mais c'est génial! Là, il y a un truc là-bas. Ah putain, j'ai le nez qui coule. Oh là là, yo le snail. Oui, j'ai photographié plein de nouveaux Pokémon. C'est génial. Love Disc. Ah ouais, non, mais non. Bon, allez, ça va nous faire des points, on s'en fout. Game Blast, il est pas mal, Game Blast. La Tentacruel, il est pas mal, il est sympa, là. Non, c'est des photos une étoile. Loupio. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est cool. Vasilis, là, quand il gueule, là. C'est victimisé. Oh, 4 étoiles. Walmer. Ouais, allez, on va prendre celle-là. Écaillon. Alors, Écaillon. Là où il danse, c'est génial. Oh, les samouraïs. Beau samouraï. Mais il bouge pas en plus, c'est con. Des viscuses. On a que des... Ah, cool. Photo 2 étoiles. Allez, on va prendre celle-là. Démanta, ouais. Lanturne. Voilà, Luminéon, ouais. Coquille-perle, alors, ouais, coquille-perle. Oh, putain. Ah, oh, truc de merde. On va mettre celle-là. Ah, aucune donnée, bah, c'est un Loupio. Iné. On va déplacer ça un chouïa. Je sais qu'à chaque fois j'ai toujours des petits problèmes avec ça. Voilà. Voilà, on va mettre ça là. Iné. Ah putain, en plus ça nique le texte et ça nique le... Ah, fait chier, là, ça va niquer la photo. On va le mettre là. Ah, on va mettre là. L'overlay, on va le mettre là. Voilà, comme ça nique pas trop le texte. Bon, c'est pas grave pour les points. 2312. Tant pis, 4031. Ah, celle-là, elle est plus belle. On va garder celle-là. Tentacruel. Elle est belle, là, celle qu'on a faite, là. Celle qu'on a faite, elle est vraiment classe. Le Loupio, alors là, le Loupio, 3000 points, alors 3000 points là, 3000, allez, au moins 3000, allez, 4000, ah oui, non, elle est bien cadrée et tout, franchement, elle est nickel, Alvasilis, on dirait qu'il essaie d'être menaçant, tu m'étonnes, je vais grave casser les couilles pour qu'il soit menaçant, enfin menaçant, encore menaçant, Allez, Walmer. Allez, le Walmer. Salut, Warlin. Salut. Allez, bim. Nouveau record. Allez, on va garder celle-là parce qu'elle est belle. Oh putain, l'album. Et Caillon, il a l'air ravi. Incroyable. Tu n'aurais pas pu capturer le meilleur moment. Bah ouais, non, mais attends. Quoi? C'est tout?
Mais c'est une blague. Allez, le samouraï. Il est. Mais il a, non, il est pas en pleine méditation là, il est en train de dormir. Tu en es rendu où déjà? Je suis perdu avec tous les streams que j'ai essayé de suivre. Ah là, je suis dans les. Là, j'ai fait. J'ai débloqué, ça y est, je viens. Là, on vient de relancer la partie. Là, on est au niveau des fonds marins. L'espèce. Putain, je me rappelle plus l'espèce de crevette, je me rappelle plus le nom. Elle vient de tirer là avec son canon et a débloqué le passage. Donc, du coup, maintenant je peux me rendre dans les fonds, dans les tréfonds. Donc, là, du coup, on a découvert les tréfonds marins. Sinon, on a fait le volcan, on a fait le désert, on a fait la forêt mystérieuse. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce Pokémon avec le canon à la place de la pince. Ah putain! Ah, je me souviens plus. J'ai Alzheimer. Non mais elle est moche cette photo que j'ai prise là. Elle est super moche, donc garde la première. The Cookie Pear. Cookie Pearl, putain, mais il est nul. Putain, mais il est vraiment nul à chier. La fleur de Krista, parfait. Non, on va garder celle-là. Celle-là, elle est cool. Allez, 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 les points. Les petits points, là. Boule les points. À ce rythme, Lantis n'aura bientôt plus aucun secret pour nous. 20 milieux sous ta mer. On n'arrête pas le progrès. Fan du type insecte. Fan du type électrique. Fan du type eau. Un cadre. 20 milieux sous ta mer. Fan du type insecte. Fan du type électrique. Fan du type eau. À propos, mes recherches ont bien avancé. J'ai fait une nouvelle découverte. Je te parlerai de tout ça plus tard. Pour l'instant, je te laisse ranger tes photos tranquillement. Non mais c'est bon, vas-y, rentre à la base. Alors, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Quelles sont ces super découvertes? T'as encore fait quelque chose de spécial, toi, non? Bim, Arceus. Le professeur a abandonné ce qu'il faisait pour courir analyser des données que tu as envoyées. Professeur, alors vous avez découvert quelque chose? C'est bien possible, tu as aperçu des ruines au fond de l'océan, n'est-ce pas? J'avais le pressentiment que cet endroit aurait un lien avec les Pokémon luminescents. Et en jugé par cette signature énergétique que nous avons de nouveau détectée, j'avais raison. Ouais, mais Arceus, pas encore. Cette énergie semblait provenir d'au-delà des ruines, dans les tréfonds de l'océan. Alors, c'est pour ça que le capitaine Victor n'a jamais pu atteindre cet endroit il y a 100 ans. Mais, contrairement à lui, nous avons le Neo-One pour nous aider. Comme d'habitude, je compte sur toi. Ah, on va avoir un Pokémon luminescent dans l'eau. Allez, les fonds marins. Le Pokémon luminescent des fonds marins. Oh là 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 là. Ah, ça va être cool. Oh, ça va être cool. Peut-être qu'on aura Mew. Bon, on va lui lancer des pommes dans la gueule. Alors, qui c'est? J'espère que ce sera Léviator. Je sens que ça va être le Pokémon de l'arnaque. Putain, sérieux? Un Froussardine? Le Pokémon de l'arnaque! Putain, on se fait arnaque! Putain, mais le Pokémon de l'arnaque, sérieux? Putain, mais c'est vraiment de l'arnaque, le pire luminescent, mais ouais. Mais complètement, quoi. Oh, sérieux, putain, l'arnaque. Tiens, vas-y, tu sais quoi, je vais te maraver la gueule à cause de pommes. Putain, j'arrive pas à viser. Tiens, dans ta gueule. Froussardine de merde.
Putain, mais le pire Pokémon, quoi. Oh, le Pokémon de l'arnaque. Putain, il faut tous l'illuminer ou quoi? Allez, ça y est, c'est parti. Allez, c'est parti. Évidemment, tous les fonds sardines qui se barrent. On sait ce qui va se passer. Moi, je lui envoie une pomme dans la gueule. Mais je lui envoie plein d'orbes dans la gueule. Oh putain. Mais c'est de la merde. Putain, vraiment, mais c'est vraiment de la merde. Oh, une fleur. Une fleur de cristal. Ah là là! Ah ça y est, 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 c'est reparti. Voilà, on va faire ça, bim bam boum. Allez, allez, viens là le gros. Viens là le gros. Il est là, il est là, il est là. Mais putain, mais c'est pas vrai! Mais je le snipe! Putain! Putain, mais c'est pas vrai! Oh, je l'ai maravé la gueule de boule là. Putain, mais c'est de la merde. Putain, c'est vraiment le Pokémon luminescent de l'arnaque, hein. Oh là là, mais j'arrive pas. J'arrive pas à les toucher. Merci beaucoup! Merci beaucoup pour ton follow, Kiki le petit kiwi! Putain, mais j'arrive pas à les toucher, sérieux! Mais c'est de l'arnaque! C'est vraiment de l'arnaque ces Pokémon, quoi! Oh là là, mais c'est pas vrai! Mais c'est de l'angoisse, putain! Allez, barrez-vous là! Allez! Fusionnez, fusionnez là, voilà, merci! Putain! Mais c'est vraiment le Pokémon de l'arnaque, ça, four sardine, quoi! Putain, c'est même pas un Pokémon de type eau, c'est Pokémon de type arnaque! Voilà, allez, allez, allez. Oh! Oh, on dirait qu'il s'affole.
Tiens, prends une pomme. Te fera les dents. Merde, ça y est, ça y est, ça y est. Ils sont revenus en mode normal. Ah, ils sont où? Et bim, 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 et bim, et bim! Voilà, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça va repartir. T'as une froussardine forme arnaque! Ça fait rien. Ah merde. Il est où ce connard? On dirait que ça l'énerve le radar. Ah ça y est, il s'est barré, il s'est barré. Il s'est barré, ça y est. Il s'est barré ou pas? Oh putain, il est là! Oh le bâtard! Je sais pas, j'ai mon petit vaisseau qui avance pas. Eh bien, je m'attendais pas à ça! Bah, c'est un Pokémon de l'arnaque! C'est fou sardine! Capteur ne révèle plus d'énergie dans les alentours, j'attends ton retour à la base. Ouais, j'ai des photos de merde! J'ai vraiment des photos de merde! Tu as réussi à prendre de belles photos? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment de la merde. J'ai tellement de choses à te dire. Non, t'as du 3. Ah, 3 étoiles. Mais commençons par l'évaluation. Oh putain, j'ai du 3 étoiles parce que je l'ai énervé. Je l'ai rendu vénère. 2 étoiles. Ah ouais, 3 étoiles. Allez, on va sélectionner le 3 étoiles. Elle est nickel, j'ai du 2 étoiles, 1 étoile et 3 trois étoiles. C'est cool ça. C'est Froussardine, le Pokémon luminescent de Copadia. C'est fantastique que tu aies réussi à le photographier. Voilà un comportement qui vaut la peine d'être étudié. Si tu avais pris la photo à un meilleur moment, elle aurait été super. Ouais mais mec, c'est un Pokémon de l'arnaque quoi, sans déconner. Ça a dû être impressionnant de te retrouver nez à nez avec Froussardine sous sa forme banc. Oh non, c'est juste nul à chier, j'avais juste envie c'était de me barrer parce que ça me pétait les couilles de voir Froussardine, quoi. Froussardine, forme arnaque. Con, quelle arnaque ce Pokémon, mais quelle arnaque. Pokémon de l'enfer du cul. Oh, tu as atteint un nouveau niveau d'exploration, ouvre bien l'œil lors de ta prochaine expédition pour déceler les plus petits changements sur ce parcours. Ah, comment te dire? Vous avez reçu le titre de maître des fonds marins. Ouais, un filtre sépia. À propos, maintenant que nous avons davantage de données sur les Pokémon luminescents, j'aurai une annonce à faire. J'imagine que tu as hâte d'en savoir plus, mais je te laisse finir de ranger tes photos. Ouais, on va mettre l'album à jour, on va voir un petit peu si on a des... Oh, celle-là, elle est pas mal, celle-là. Celle-là aussi, il y a moyen de rigoler. On va rigoler. Avec ces photos, on va rigoler. Allez, rentrons à la base. Ah, le petit Pyrax. Mais pourquoi c'est tout le temps toi qui croises des Pokémon luminescents? C'est trop injuste. Bah t'es une merde, t'es une merde. T'en fais pas, Phil. T'es une merde. C'est tout?
En tout cas, nos dernières trouvailles semblent indiquer que l'impact de la météorite s'est fait ressentir sur un très large périmètre. Ça va dans le sens que ce que vous disiez, professeur. J'espère qu'aucun Pokémon n'a été blessé. Si l'impact a eu de telles répercussions, il a forcément dû causer des dégâts considérables. Mais ce qui est curieux, c'est que nous n'avons trouvé aucune trace nulle part. C'est vraiment bizarre. Vous pensez que le Pokémon luminescent qu'on vient de voir était le dernier ? Figure-toi que je viens justement de faire une découverte intéressante à ce sujet. Je vous en parlerai quand nous serons au complet. What the fuck ? On n'est pas au complet ? C'est cool ça. Bien. Nous quittons maintenant les chroniques du Capitaine Victor. Toujours à découverte au bon moment, ce bouffon de prof. Pour explorer les terres inconnues, c'est-à-dire... Une nouvelle île ! Une nouvelle île ! Bon, récapitulons. Comme vous le savez, nous avons à ce jour exploré 4 zones, chacune abritant des Pokémon luminescents différents. Et bim, de la neige ! Oh, mais tu m'as spoilé la gueule, là ! Ils étaient tous beaucoup trop beaux. Nous savons aussi qu'à chacune de leurs apparitions, nos capteurs ont enregistré une grande quantité d'énergie provenant de diverses zones de la région. Ça voudrait dire qu'ils communiquent entre eux. C'est une possibilité, mais ce n'est pas tout. Mais t'aurais vu dans 15 secondes. Moi, je m'en doutais, parce que quand même, sur l'écran de chargement, tu as un bandeau de neige. Et j'allais justement poser la question. J'allais dire, mais on n'a pas de Pokémon de glace. Nous avons également réussi à localiser l'emplacement de la cinquième source d'énergie identifiée par nos capteurs. Ça veut dire qu'on arrive bientôt à la fin de nos aventures. On dirait bien, oui. Notre cinquième et dernière destination sera cette île, juste ici, Adamania, la plaine frisquette. Ouais, la glace! Elle est super loin! Eh mais, c'est de la neige qu'on voit là! Oui, on dirait bien que cette île en est entièrement recouverte. Stylé, je veux trop voir ça! Et moi donc? Même le capitaine Victor n'a jamais atteint ce lieu, dont nous avons tout à y découvrir. C'est parti pour l'exploration! Putain, à chaque fois, j'ai tellement d'air que ça me fait bailler. Ah, ça me fait bailler, putain. Allez, let's go! Let's go, le pays de la neige! Eh bien, on ne vous arrête plus, vous trois. Grâce à vos efforts, de nouvelles zones sont maintenant accessibles. Et ça tombe bien, car je viens tout juste d'ajouter une nouvelle fonctionnalité à ce bon vieux Neo One. Il va maintenant pouvoir passer le turbo. Je viens de tester ça et tu vas pas être déçu. Le turbo te permettra non seulement d'aller plus vite, mais aussi de prendre tes photos au moment le plus opportun. Rita, tu veux bien lui expliquer les détails ? Aïe ! Pour enclencher le turbo, appuie sur ZR. C'est tout. Le Neo One ira plus vite tant que tu maintiendras le bouton appuyé. Ah bah super ! D'ailleurs, en parlant de vitesse, tu as remarqué que le Neo One ralentit quand son pilote se retourne ou utilise le zoom de l'appareil photo ? C'est parce qu'il se synchronise automatiquement avec les mouvements de l'objet de l'exploréflex. Si tu tires parti de cette particularité en plus du turbo, tu vas pouvoir prendre les Pokémon en photo sous toutes leurs coutures. Allez, je te retiens pas plus longtemps, profite bien de tes prochaines explorations. Ouh. Putain, ça me fait bailler quoi. Allez, Yarasne. La plaine frisquette, you, pleine de jour. Putain, ils auraient pu me donner le boost de vitesse pour le Froussardine. Oh putain. Oh la vache. Oh, je suis claqué là. Putain, ils auraient dû me donner le boost pour les Froussardines, quoi, sans déconner. Putain, qu'est-ce qu'on s'est ramé le cul. Oh. Oh, les fouinards! Oh, qu'est-ce que... Pour la griffe, tiens, prends une pomme. Oh, des marques à crin. Tiens, mange une pomme, marque à crin. Allez, va la manger, va la manger, va la manger. Oh, des polarumes! Mais, viens ici! Viens ici! Viens ici! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une fleur de cristal. Oh, là, on va jeter une pomme dans le trou. Mais, j'arrive pas! J'arrive pas à viser!
Mais j'arrive pas! Putain! J'arrive pas à tirer dans le trou! What the fuck? Non, y'a rien. Allez, on va avancer un petit peu. À moins qu'il y en ait derrière. Oh! Le mamochon! Le mamochon! Tiens, mamochon! Oh là là, allez, bouge ton gros cul! Le cul de mamochon! Allez hop, la photo! La photo du cul! Allez, le cul de mamochon! Oh, le Hermion là, il est magnifique! Là, il y a des trucs dans la crevasse, là, c'est obligé! Oh, le petit marcaquin! Allez, marcaquin! Tiens, tiens, mange la pomme! Mais mange la pomme, espèce de connard! Allez, mange! Oh là là, le mamochon! Ça, c'est pas un safari de mamochon là! Allez! Allez, on avance! On avance! C'est bon, les mamochons, on s'en bat les couilles! Oh! Les stalgamins! Ah là là, magnifique! Ah, ils sont tout choux! Ah, il s'est cassé la gueule! Oh, un stalgamin! Allez, allez, allez! Mais! Oui! Oui! Je l'ai eu! Fatal! Oh, l'Oniglali! Oh, l'Oniglali! Oh, le snipe! Tiens, la fleur de Krista. Allez, retourne-toi! Retourne-toi! Putain, mais il est chiant! Oh, elle est au Bali. Oh, il est tout chou! Oh, petit type louf! Allez, on va essayer de le jeter à l'eau. Ouais, Magikarp. Je peux pas l'empêcher. Oh là là, il est tout content là. Ah ah ah, il va sauter. Oh, il roule. Oh, le Tiplouf là, le petit Tiplouf, il est tout choupi. Viens là, Tiplouf. Tiplouf, Tiplouf, Tiplouf. Oh, il a sauté. Oh, des Tiploufs avec un pôle à griffe. Allez, on va le réveiller. Allez, oh là, on va le réveiller. Oh, ils sont trop choux. Ils sont trop chill. Oh, c'est trop choupi. Ils sont choupi. Dans cette zone, il y a un fameux Pokémon qui ressemble globalement à un gland. Ah. Ah. On va voir qui c'est. Oh là là, le fouinard là. Le petit marcaquerin, hop là, le polarume, ouais, c'est moche. Le polagriffe. Oh, génial. Tiens, le mamochon, il s'est pris un truc dans la gueule. Là, le stalgamin qui se... Il était tout chill, puis bien fait. Je le connaissais pas alors que j'ai découvert... Alors que je l'ai découvert, j'ai fait... Mais c'est la même chose entre les jambes. Oh, on va voir ça. Oh là là, le Obali 3 étoiles.
Là, le 2 étoiles type louf. Bon, les fleurs de cristal, ça marche pas. Allez, c'est parti. C'est parti pour les points. C'est parti. C'est un fouinard. Ta première photo de ce Pokémon. Toi, t'es pas trop à fond dans les nouvelles gens de Pokémon. Je suis plus old gen que les nouvelles générations. Les nouvelles générations, bon, j'ai sauté quelques générations. Il y a quelques opus Pokémon, par exemple noir, blanc, tout ça. Je ne les ai pas fait, malheureusement, je ne les ai pas fait. J'avais repris XY, je l'ai pas fait non plus. J'avais repris Pokémon à partir de Ruby Alpha et Saphir Omega. Mais sinon, après, je suis un petit peu à la ramasse sur certaines gènes de Pokémon. Mais après, je suis pas si hype que ça. Tu vois, sur certaines gènes de Pokémon, je suis pas si hype parce que je ne les connais pas en fait. Donc, du coup, je suis un peu largué. Je suis là. J'ai fait jaune, perle, blanc 2 et c'est tout. Ah, d'accord. Ah, ouais. Non, moi, j'ai fait. J'ai fait Pokémon bleu, j'ai commencé avec Pokémon bleu, j'ai fait ensuite Pokémon jaune, j'ai fait Pokémon or, Pokémon argent, Pokémon cristal, Pokémon saphir, après qu'est-ce que j'ai fait, Pokémon émeraude. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Pokémon Verfeuille. J'ai fait vite fait. Putain, comment ça s'appelle? Voilà, Pokémon Perle. Voilà, il y avait Pokémon Diamant. Voilà, j'ai fait vite fait Pokémon Diamant. Vite fait aussi Pokémon Platine. Et je me suis arrêté à ce niveau-là. Moi, je les ai tous faits. Ah bah d'accord. Mais ouais, je me suis arrêté sur ces générations. Parce qu'après, bon, voilà, après en grandissant tout ça, enfin en grandissant, en prenant de l'âge. Comment fais-tu pour avoir une chevelure aussi soyeuse? Ah, c'est un secret. C'est un secret, c'est un vil secret. tu les as tous fait kiki, putain, t'as la foi, franchement, t'as la foi, parce que moi après c'était une manque de temps, hein. C'était une manque de temps aussi, j'avais plus le temps de les faire, mais j'ai repris à partir de Pokémon Ruby Omega, parce que Saphir Alpha, Ruby Omega, voilà, c'est ça, je me rappelais plus le truc. Et c'est à partir de là où ça m'a vraiment grave redonné l'envie de rejouer à Pokémon, quoi. Là, je me suis dit, putain, il faut vraiment que je rejoue à Pokémon. Bon, après, soleil, lune, ultra soleil, ultra lune, épée, bouclier. Mais bon, voilà, c'est à partir de soleil, lune que là... Ça a commencé en... Le déclin a amorcé. Mais putain, au Pokémon épée, bouclier, quoi, sans déconner. Voilà, j'ai dit putain, c'est dommage quoi, c'est dommage. On attendait tellement d'un Pokémon 3D, vraiment d'un Pokémon 3D qu'au final, on nous l'a merdé. Mais New Snap, ouais, franchement, New Pokémon Snap, c'est tout ce qu'on attendait d'un Pokémon en fait. C'est là où tu te dis putain, mais sans déconner, en plus c'est développé par Bandai Namco, c'est même pas développé par Game Freak. Putain, les mecs, c'est pas des développeurs de Pokémon, ils font du meilleur Pokémon que les développeurs Pokémon. What the fuck, les gars? Quoi, sans déconner, putain. C'est fou. Et surtout, par contre, il n'y a pas de problème au niveau des gens, là, par contre, au niveau des générations, il n'y a pas de problème d'ajout de génération, hein, n'est-ce pas? Il est fric. Voilà. Genre un peu de chaque gène, tout ça m'a bien fait découvrir les nouvelles gènes. Ouais. Mais c'est pareil.
C'est pareil aussi, je découvre des Pokémon que j'avais entendu parler, que je découvre aussi sur des let's play, en regardant des let's play. Mais après, ouais, je les connais pas. Enfin, je les connais pas plus. Du coup, je les découvre aussi sur du Pokémon Snap. Mais après, j'en sais pas plus, quoi. J'en sais pas plus au niveau de la stratégie, tout ça, j'en sais pas plus. À part regarder les let's play de Fildrong, j'en sais pas plus. Allez, yes! La plaine de niveau 2. Oh, tu as atteint un nouveau niveau d'exploration. Ouvre bien l'œil lors de ta prochaine expédition pour déceler les plus petits changements sur ce parcours. Ah, yes! Type glace et type acier. À propos, mes recherches ont bien avancé, j'ai fait une nouvelle découverte. Encore? Stream jusqu'à minuit. Non, ça m'étonnerait. Non, putain, là, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est là, tu vois, on voit la plaine, on voit la forêt, on voit la glace, on voit le type sol. Ah, je fais pas de stream jusqu'à minuit. À un moment donné, je fatigue. Au bout d'une heure et demie, deux heures de live, je commence à fatiguer. Après, j'ai la dalle. Je fais une pause pour manger, mais après, non, je m'arrête. Ça me saoule un petit peu la gueule. Je fais pas des longs lives, je fais pas des gros lives. Après, j'essaierai d'en faire, hein, j'essaierai, attention. Je dis pas. C'est surtout les dimanches où là, ouais, où je me permets de faire presque une après-midi. Et limite, des fois, je commence à 13h, des fois 14h, pour finir 17-18h. Enfin, voilà, des lives un peu plus longs. Mais après, ouais, des streams jusqu'à minuit, par exemple. Ouf. Tiens, Dieu, je fatigue. Demain, je streamerai certainement Diablo 3. Demain, on fera du Diablo 3. Histoire de... Je trouve sympa. Ah, plein jour ou pleine nuit Allez, on va faire la pleine jour de niveau 2. Donc ouais, je vais faire un peu de Diablo 3. Ça pourrait être sympa. Moi, je dis 10 heures de snap tous les jours, c'est bien. ouais, après, oui, ça passe, ça peut passer. Franchement, ça peut passer. C'est pas un jeu qui est redondant, donc ça va. Donc ça peut se faire, ouais. 10 heures de snap, ça peut se faire. Kolowa. Hop là, le fouinard 2 étoiles. Je suis déjà à 55 heures de jeu, je meurs de l'intérieur. Ah mais ouais, non mais tiens fou. Tiens fou. Oh! Putain, mais ça dansait! T'as vu? Hé, pour la griffe, t'as vu? Ils ont dansé! Oh, la pomme qui a bugué. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais... Oh, un farfuré! Non, c'est une dimorée! Putain! Qu'est-ce que... Ah, c'est la fleur. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'étire. Allez. Qu'est-ce que c'est ça là-bas? Il y avait un truc. Ah, c'est un peu la griffe. Il y a un peu la griffe et un peu la rhume. Peut-être je les confonds maintenant. Ils ont des noms semblables, c'est des noms similaires. Ah, ils glissent. Ah. Tiens, allez, hop, la glisse. Allez, grimpe. Allez, Marc Acrin, grimpe. Oh, le seum. Voilà, le armure, là. Non, ça ne fait pas réagir. Là, le petit mamoche. Allez, le mamoche. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh! Oh! Le prismillon. Motif glacial. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, j'avais pas vu! Là, il y a un truc dans la grotte.
Non, il y a que dalle. Sont gros. Ah, mais ils sont énormes. Allez, on va avancer un petit peu là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ces trucs là-haut? Oh, le Hermur! Le Hermur, il est là! Il est là! Il se gratte et tout! Wouah! Oh, la môme arctique! Oh! Waouh! Elle m'a lancé une attaque pour pas que je la prenne en photo! Togepi, peut-être? Le paparazzi, quoi. Non, je sais pas, ça ressemblait pas à Togepi. Ça avait pas l'air d'être un Togepi. Ah, mais c'est des Goupix! Putain, c'est des Goupix! C'est les queues de Goupix! Ah ouais, d'accord. Ok. Tiens, Goupix. Ouais, allô, Bali. Ouais, ça va, ouais. Ouais, tranquille, le chill. Ouais. Ah bah il a bouchonné, voilà. Il a fait le bouchon. Merde, il est où le Goupix? Goupix, t'es où? T'es où? Salaud! Il s'est barré. Allez, pour la griffe. Il est où le Goupix? Mais... Te barre pas! Reviens ici! Reviens ici! Reviens ici, Goupix! Mais! Oh là là, j'espère que j'ai pris la photo! Oh, j'espère que j'ai pris la photo, parce que là, franchement, ça valait son pesant de cacahuètes! On espère tous, mais on croise les doigts, on croise les doigts! Alors, tu as pris le coup de main, choisis les photos que tu veux me montrer, mais j'en ai plein, j'ai plein de photos. Allez, le fouinard à 2 étoiles. Le pôle à griffe. Ouais, on a déjà 2 étoiles sur le pôle à griffe. Allez, on va prendre celle-là. Le type louf, le type louf chi là, il est excellent. Je remonte mes escaliers, j'entends ton rire machiavélique, j'ai failli m'enfuir jusqu'à ce que je me sois rappelé que j'avais lancé un stream. Oh le Dimoré, excellent, excellent. Là, le macaquerin qui a le seum. Oh, le Hermur là, le Hermur, magnifique. Oh là, il tape la pose et tout. Le mamochon, ah, j'ai raté quelque chose, j'étais parti 5 minutes. qu'est-ce que tu as raté? Qu'est-ce que tu as pu rater? Oh, pas grand-chose. Ouais, harceler un Goupix. Oh là là, le môme arctique. La môme arctique. Oh là là, génial, oh, la photo 5 étoiles. Ah, 4 étoiles, merde. Pauvre Goupix. Mais ouais, mais il est chiant aussi. Moi, ça, il est à 3 km. Et 2 étoiles, bien fait. Oh là, l'Obali. L'Obali chill. Aucune donnée, c'est quoi ça, les aucune donnée? Ah, mais oui, mais c'est l'arbre. Je photographie un arbre. Je vais appeler la SPA. Mais je t'en prie. Oh, mais je t'en prie. Tu peux les appeler. Comme ça, au moins. Comme ça, au moins, ils défendront enfin les. Ils défendront enfin les Goupix. La société des Pokémon anonymes. Allô?
La société Pokémon Anonyme. Pour vous signaler, il y a un Goopix. On va la faire. On va bien le faire. Allô? Ah, la société des Pokémon Anonymes. Ouais, il y a un Goopix qui s'est fait victime bolossisé. Ouais. Bah écoutez, venez sur le live. Ouais, twitch.tv/foils. D'accord, ok. Bah, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ça marche, bisous. Voilà, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Société protectrice des abrutis pour enfermer tous les jeteurs de pommes. Signaler le stream. Ah ben non. Ah ben non. Alors là, si vous signalez le stream, je ne serai pas d'accord. Je ne serai pas d'accord. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, ben, au final, eh ben, vous n'aurez pas droit au stream, au live hot tub. Hot tube. Parce que hot tub, ça fait un petit peu... La consonance est un petit peu bizarre. Ah ben, s'il n'est pas d'accord, on ne le fait pas. Non, parce que sinon, je ne vais pas faire des hot tubes, des live hot tubes comme type louf. Comme ça, parce que là, j'ai prévu d'acheter un super jacuzzi sur les dons des viewers, bien évidemment. Comme ça, je vous proposerai un stream de qualité. Voilà, je serai en maillot de bain dans mon jacuzzi, là. Comme ça, ah ouais, et là... Et alors, bien sûr, bien évidemment, sans oublier la banane. Sans oublier la banane. Et voilà, comme ça, le jour où je serai affilié... là, je pourrais noter les noms des subs. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est pour ça, hein, c'est pour ça qu'il faut faire tourner les streams comme ça. Il y aura l'affiliation, l'ouverture des subs. Et là, je vais pouvoir noter vos noms sur la banane. Voilà. C'est quitte. On est clair là, on est clair. Là, il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple. Franchement, il n'y a pas plus simple. N'hésite pas à faire de la chirurgie, ma mère. Moi, je veux mon nom sur ton crâne chevelu. Ah, putain! Oh, ça, c'est une bonne idée! Ah, c'est une bonne idée! Ah, c'est une bonne idée, le jour où je serai affilié. Putain, le stream de l'affiliation, le jour où on aura l'affiliation. Pour fêter ça, on fera un live spécial. Et alors là, ouais, on fera un stream hot tube. Et je marquerai mon nom et le nom des subs sur mon crâne. Ah, c'est génial. Je serai ton premier sub. Ah, c'est excellent. Ah, putain, oh, génial. Putain, mais oh là là, ça c'est de l'idée, hein. Ça c'est de l'idée, ça c'est les idées de Z, ça, hein. Oh là 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 là, génial. Oh là 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 là, extraordinaire les idées. Oh, vous avez des idées géniales, franchement vous êtes génial. Quand je vous dis que vous êtes une communauté extraordinaire, je mens pas, hein, je mens absolument pas. Celui-ci c'est un Prismillon, tant de grâce, je suis sous le charme. Putain, mais il est au format timbre poste, tant de grâce, mais grâce de quoi? Mais quelle pose, n'importe quoi. Mais la taille, c'est taille d'un timbre poste. On garde la première. Ouais, le stal gamin. Mais ce serait génial. L'affiliation serait géniale. Super idée. Allez, mon Martique. On ne voit que rarement ce genre de comportement. Bien joué, il faut beaucoup de talent pour prendre une telle photo. J'ai juste fait chier, en fait, le mon Martique. J'ai juste fait chier après il m'a attaqué, ce connard. Le Goopix. C'est la première fois que tu le prends en photo. Ben ouais, mais il veut pas se montrer, ce connard. Il veut pas se montrer. Putain, mais il est chiant, hein, Goopix. Allo, Bali. Allo, Bali, chill. Bon, elle est toujours bronze. Mais... Allez, on va garder celle-là. Parce qu'il y a Goopix. Il y a Goopix qui snob. Il snob, là. Il fait les snobs. Moi, je snob. Connard de Goopix. Tes photos ne cessent de s'améliorer. Moi aussi, je dois rester au niveau et m'assurer que mes recherches avancent bien en parallèle. Bah ouais, parce que bon, voilà. Tu rames un petit peu, hein. Tu rames, mec, tu rames. Hein. On va t'appeler Lilian, hein, parce que Lilian, tu rames. Merci. C'est tout pour moi. Merci. C'est tout pour moi. Oh là là.
Il était mal placé, j'avoue, il était mal placé. C'était un petit peu de la merde. Ça, j'avoue, c'était vraiment de la merde. Mais attention! Ah, il faut que je me renouvelle sur ma soundbox, là, ça va pas. Oh, mais qu'est-ce que c'est jamais Diana? Oh, c'est Grayena! Oh, les Grayena! Oh, ils aboient! Oh, mais ils vont le manger! Il va le manger! Mais le Grayena, il va le manger! Il a mangé Tiplouf! Salaud! Oh là là, on va essayer de viser le trou. Ne sortez pas cette phrase de son contexte. Oui! Oh! Oh! Il est vénère! On a sauvé des stalgamins! Oh! Il s'enfuit! Oh là 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 là! Allez, on va avancer. Oh, il est vénère là. Ouais. Mais on s'en fout des fouinards. Oh, mais il va se faire manger. Oh non! Oh non, le fouinard, il va se faire manger. Qu'est-ce que se passe-t-il? Ah, la fleur de cristal. Ouh, une fleur de cristal qui brille. What the? Oh, c'est quoi, c'est un guéri-aigle? Oh oui, le guéri-aigle! Le guéri-aigle, le guéri-aigle! Viens là! Mais... Oh, le blizzarois qui regarde les étoiles. Oh là là, on peut presque l'entendre chanter. Allez, blizzarois, retourne-toi. Ah, bah, il s'en bat les couilles. Oh, le blizzarois qui s'en bat les couilles. Les cas d'oiseaux! Les cas d'oiseaux! Je veux mes cadeaux! Mais ici, petit papa Noël! Oh, les Liputous! Oh, cette photo va être géniale! Tu rigoles ou quoi? Elle va être dégueulasse, oui! Ah, la fleur de cristal. Oh, les sorts bouboules. Allez, sorts bouboules. Hein? Là-bas, le cas d'oiseau. Est-ce qu'ils réagissent? Non, ils vont pas réagir. Hein. Oh, le Liputou. Mais. Bah, je vais arrêter de danser. Vas-y, tu prends de trop belles photos là. Wesh. Oh, le Goupix. Ah, il est là, le bison. Oh, c'est quoi? Belle des Neiges, je connais pas. Je connais pas ce Pokémon. Oh, le Blizzarois. Il joue au foot avec les Obalis. Allez, on va prendre la fleur de cristal en photo. Mais ils sont trop chauds! C'est trop choupi! Mais ils sont trop mignons! Viens là! Viens ici! Viens ici!
Viens là. Allez. Allez, énerve-toi. Ah, il va manger la pomme. Oui. Oui. Oui, il a mangé la pomme. Putain, moi, c'est cette photo. Yes. Ah putain, ces allergies de cul. Mais ces allergies de cul. Mais oui, il y avait des comportements intéressants. Le Graïena qui arrêtait, qui voulait bouffer l'autre. Oh là là. Extra, la photo, 3 étoiles. Le petit Tiplouf, il est trop choupi. Il est trop choupi. Elfouina, ah le Fouina, 3 étoiles. Ah la gueule. Ah la gueule. Oh cette gueule. Mon dieu. Oh là là, putain, ils sont laids. Ah, ils sont laids comme des culs, sérieux. Oh le guerrier-aigle. Magnifique. Le bizarroa qui est mélancolique, limite... Limite un son dépressif. Oh là là. Mais là, il est en train de manger une pomme. Il mange la pomme. Là, le cas d'oiseau. Là, le lit poutou. Oh, le sort bouboule. Sort bouboule qui s'est pris une pomme dans la gueule. Un petit goupix là. La Belle des Neiges. Magnifique. Magnifique. Allez, fleur de Krista. La petite fleur de Krista qui brille. Allez, donne les boules lumineuses. Donne les boules lumineuses. Allez, les boules. Le Graïena qui veut bouffer le Fouinard. Ah, c'est génial. Night à minuit. On ne voit que rarement ce genre de comportement. Bah oui, mais en même temps, on le voit toujours pas. Beaucoup de gaspillage de pommes. Mais non, on gaspille pas les pommes. Ça s'appelle... du recyclage, parce que regarde, les pommes, elles vont se décomposer, merde, elles vont se décomposer, donc, elles vont rentrer dans la terre va aller râper, comme ça, et ensuite, la magie, c'est comme dans les pommes, il y a des petits pépins, il y a les petits pépins de pommes, là, tout choupichou, ils vont pénétrer dans la terre, comme ça, hop, et après, quand la neige va fondre, choum, il va pousser un pommier. Eh ouais. Mais ça, tu n'y avais pas pensé. Et ça, tu n'y avais pas pensé. Eh ouais. Eh ouais. Mais heureusement que je suis là. Heureusement que je suis là pour vous apprendre ce genre de choses. Parce que sinon, vous n'avez pas la conscience écologique. Vous n'avez pas la conscience psychologique. Et c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. C'est pour ça que vous êtes là. Hein, parce que sinon, vous regarderez pas le stream. Vous regarderez pas ce live. Si vous avez une conscience écologique, vous ne regarderez pas ce live. Parce que vous dites, oh, mais je ne suis pas là pour apprendre. Quoique. Parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Et là, tu vois, ce soir, quand tu mangeras ta pomme au coin de ta cheminée, mais une cheminée à mazout, tu diras... Il avait raison. Je vais faire ça. Et tu vas ouvrir la fenêtre. Mais comme tu habites en plein centre-ville, avec tous les gaz d'échappement, tu as craché le pépin, pouf. Et le petit pépin, il va tomber dans un petit carré comme ça, dans un petit trou de terre. Et ensuite, poussera un magnifique pommier. C'est quoi une pomme? Bah une pomme en fait c'est un fruit, c'est un fruit rond et c'est rouge. Ou ça peut être jaune et ça peut être vert aussi. Et des fois c'est farineux et des fois ça l'est pas, des fois c'est super juteux. Mais c'est chiant à bouffer. Enfin moi je trouve ça chiant. Parce que tu peux l'appeler aussi. Mais ce que je préfère dans les pommes c'est la compote. Ça alors, ça c'est formidable. Ça alors c'est... Oh putain!
J'avais pas vu que le Razer Ipso a bugué. Mon Dieu. Tac. Il a bugué, on va faire ça. Tac. Putain, il veut pas s'actualiser. Il a bugué le salaud. Ah, l'enculerie, il a bugué. Putain, ça a bugué. Si j'active, je désactive. Ah putain, enfoiré! Pas de panique, pas de panique. Tout est sous contrôle. Ah là 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 là. Mais il marche plus! Comment ça, il marche plus? Comment ça que j'ai pas le truc? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Comment ça se fait que j'ai plus l'image? Oh! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je l'ai moi sur l'écran, mais je ne l'ai pas. Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi je l'ai plus? J'ai plus le son non plus. C'est casse-couille, c'est casse-couille, c'est casse-couille, c'est vraiment casse-couille. Ah putain, fais chier, je vais essayer de le brancher, de le débrancher. Je ne sais pas c'est lequel, j'ai peur de débrancher une mauvaise prise. Ah là 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 là, c'est terrible, c'est terrible. C'est lui, non, c'est pas lui. Ah putain, c'est pas lui. C'est pas lui non plus. Ah, si, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Attention. T'es où Pokémon? T'es où Pokémon? Alors Pokémon va peut-être revenir, je l'espère. Ah putain, ça casse les couilles! Oh là 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 là. Oh putain, j'espère que ça va revenir. Oui, c'est revenu, putain, yes. Oh putain, yes. C'est bon, c'est revenu. Oh putain, yes. Oh, j'avais eu peur, j'ai dit oh putain, putain de putain de putain. Je me suis dit oh là 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 là, quel enfer du cul! Mais ça va, ça y est. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé et ce qui lui a pris. Mais c'est bon, on a la situation sous contrôle. Voilà, bah tu vois, tu voulais savoir ce que c'était qu'une pomme, mais voilà une pomme. Alors là, alors, bien sûr, cette masse blanche,
Cette masse blanchâtre, c'est bizarre, ouais. Et juste à côté, ce qui tient dans la main, c'est une pomme. C'est une pomme, j'aime les pommes. Allez, le cas d'oiseau. Des Hagendas. Il a l'air bien calme, ouais, mais il prépare une connerie. Il prépare une belle connerie, là, le cas d'oiseau. Le caca d'oiseau. Le lipoutou. Ine. Bon, allez, on va accélérer un petit peu, là. Parce que c'est bon, là, les conseils du prof, ça va, quoi. Le mec, il se permet de te filer des conseils, mais des conseils de merde, quoi. Des conseils de merde. Le type, oh, c'est une belle photo, alors que la photo est dégueulasse. C'est une putain de belle photo. Ah, bah non, hein, elle est pas terrible, ta photo, hein. Et la fleur de cristal. Voilà, la fleur de cristal. Donc donne-moi la fleur de cristal. Donne-moi les orbes lumineuses. Et voilà. Oh, 39 000. Du coup, j'ai les orbes lumineuses. Fan du type glace. Fleur de cristal violette. À propos, maintenant que nous avons davantage de données sur les fleurs de cristal, j'aurai une annonce à faire. Tu verras, c'est une bonne nouvelle. Ah, que va-t-il se passer? Mais que va-t-il se passer? Ah, on le saura après la pub. Les analyses du phénomène Lumina de Lille sont terminées. Tiens, voici des orbes Lumina d'Adamantia. N'hésite pas à les utiliser lors de tes prochaines explorations. Avec un peu de chance, cela nous aidera à localiser le dernier Pokémon luminescent. Oh, c'est le dernier? C'est le dernier, sérieux? Orbe Lumina violet. Sérieux, c'est le dernier? Oh, je suis triste. Yorosne. Krakna. Allez, photographie de nuit. Probable. Putain. Oh, mais je suis dégoûté. Moi, je voulais aller dans l'espace et tout, là. Oh, putain, je suis deg. Putain, je voulais, comme dans le Pokémon 64, dans l'espace et tout. Je voulais shooter. Ouais, je voulais shooter Mewtwo et tout. On avait Mewtwo, on avait Mew et tout. Oh là là, ils sont vénères. Oh, le Tiplouf! Tiplouf! Non! Allez, on va accélérer! Et là, que va-t-il se passer? Tiens! Tiens, dégage! Faut tout battre! Ah, je savais pas pour l'espace. Ouais, ouais, il y avait ça sur la 64. Tu pouvais aller dans l'espace et shooter Mew. Je crois que t'avais Mewtwo aussi. Ah, ça faisait tout le sel. Ça faisait tout le sel du jeu. Ah, c'était tout le sel de Pokémon Snap. Enfin, moi, je sais que je voulais absolument aller dans l'espace pour shooter Mew, quoi. C'était l'objectif number one. Quoi, il m'aboie dessus et tout. Vas-y, tu sais quoi, vas-y, ferme ta gueule. A craqué, lui. Non, laisse-le.
Oh, le sablero! Mais c'est génial! C'est pour ça qu'ils nous disent d'accélérer! Allez, brille! Oh là là, c'est génial! Non, il veut pas danser? Mais danse! Bon, là, on va accélérer un petit peu. Voilà, il y a un truc là. Il y a un truc à faire avec la fleur. Oh là là! Wow! Wow! Oh, le sort bouboule! Ah, oh, il est tout content! Ah, oh, il est choupi! Merde, je voulais aller le cas d'oiseau. Oh, ils sont tout choux! Allez! Allez, on va essayer de vous choper. Ah, le Goupix là. Le Goupix! Oh là là, extraordinaire! Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que dalle! Je suis content, je suis heureux, ça fait que dalle! Merde! Ça fait rien! Oh, le mamochon qui dort! Oh, le mamochon tout chill dans l'eau! Tiens, tu veux briller? Vas-y, brille. Allez, brille! Mais... Ouais, ça fait rien de plus. Ça fait rien de plus. Ouais, non, c'était vraiment tout le... Enfin, moi, c'était tout mon objectif. C'était vraiment mon objectif, c'était vraiment d'aller dans l'espace pour shooter Mew. Et en fait, il y avait des conditions à la con. Il fallait remplir un bloc d'objectifs pour pouvoir accéder dans l'espace. C'était assez chaud. Une photo 2 étoiles, là. Nickel. Putain, le sablero. Ouais, elle est géniale celle-là. Bon, le cas d'oiseau, 1 étoile. Celle-là, elle est géniale quand il se cogne. Là, le sort bouboule, il est magnifique. Putain, on n'a pas de bonnes photos, eux. Hein. Ils font chier, ceux-là. Ah, pareil pour Goupix, ça, il casse les couilles. Hein. Là, le mamochon, là, qui est tout chill. Allez, bim. Et le bizarroi. Allez, hop là. Donc ouais, ça faisait vraiment... C'était tout le sel du truc, en fait. C'était vraiment l'objectif. Enfin, pour moi, c'était vraiment le truc. C'était d'aller shooter Mew dans l'espace. Mais je sais que j'avais vu des images. J'ai eu des... Je vais pas dire des leaks, mais j'ai vu des images. C'est même pas des images. J'avais lu comme quoi on pouvait avoir OO dans ce jeu. On pouvait le shooter. Alors, putain, ça c'est... Number one, quoi. Number one. Si on shoot haut, alors là, mais... Je plus soit plus 1 milliard, quoi. 1 milliard, putain. Haut, c'est vraiment mon Pokémon préféré. Ah, j'avais oublié EarthGold aussi. EarthGold que j'avais fait. J'ai fait EarthGold aussi. C'était un Pokémon or. C'était ma version. Ah, c'était ma version, ça. Pokémon or, c'était...
C'était vraiment ma version préférée. Hein. Je kiffais ma race. J'ai kiffé ma race sur Pokémon Or. Avec la possibilité d'aller à Kanto. Et surtout, ce qui était cool, ce qui était vachement cool, c'était à Kanto. À Jadiel, il y avait une maison où dans cette maison, en fait, s'enregistrait le dernier combat Link que tu faisais. Donc, en gros, tu faisais un combat câble Link avec un ami. Et en fait, le jeu enregistrait son équipe. Et du coup, tu pouvais le battre, on va dire, hors ligne, entre guillemets, quoi. C'était génial. C'était limite le combat en ligne avant l'heure. Mais en fait, c'était juste un PNJ, en fait. C'est juste l'ordinateur, quoi. L'ordinateur qui avait enregistré la team de ton ami et jouait, on va dire, jouait à sa place. Un peu plus stratégique, oui et non, parce que bon, tu lui roulais dessus. Enfin, moi, le perso, je lui roulais dessus. Donc, c'était pas si stratégique que ça. Mais c'était cool. C'était vachement cool. C'était super, putain. Tu pouvais jouer contre ton ami comme tu voulais. C'était juste génial, quoi. T'étais là en mode, oh putain, je t'ai battu l'autre fois. Du coup, ça, tu m'as battu. Bah ouais, je t'ai battu. Regarde, je vais te battre. Ça, c'était juste génial. C'était juste génial. Non seulement tu avais Johto et Kanto. Le cycle jour-nuit, c'était extra. Oh, putain, pour moi, c'était. Ah oh, putain, c'était la version, quoi. C'était vraiment la version ultime. Moi, je jouais à Pokémon XD sur GameCube. Oh putain, Pokémon XD, oui. Pokémon XD. Il était pas mal aussi. Mes versions de cœur. C'était Pokémon Stadium, surtout Pokémon Stadium 2, parce que bien évidemment, Pokémon Or et Argent, où là tu retrouvais toute ton équipe et tous tes Pokémon en 3D. Là tu les retrouves en 3D sur ta télé. C'était juste insane! C'était insane! J'étais comme un fou, ouais. Pokémon Stadium 2, j'étais comme un fou. Quand j'avais découvert ça sur Pokémon Stadium, j'étais comme un fou. Mais Pokémon Stadium 2, j'étais pareil qu'Argent et Or. C'était le truc de fou. C'était la folie. Ah, encore une nouvelle découverte. Ah, ça va être peut-être le Pokémon luminescent. Mais c'était la folie, c'était la folie furieuse. Ah putain de merde. Tu pouvais retrouver tes Pokémon que tu entraînais comme un malade. Tu les retrouvais en 3D, c'était la folie. Alors, qu'avez-vous à nous dire? Professeur, il paraît que vous avez découvert un nouveau site de téléportation. Oh putain. Eh bien, quelle attention, mais je n'attendais pas moins de mon assistante. Tu as tout à fait raison, nous avons bien détecté un signal venant du sous-sol d'Adamantia. Ça veut dire qu'on va faire de la spéléo, trop stylé. La grotte en question semble être extrêmement profonde. Je compte sur vous pour explorer tous les recoins. Oh, ah, c'est Stylax. Stylax, la nouvelle zone, on va voir Lugia. Dis, est-ce que t'as 2 secondes? Je sais pas si le professeur t'a déjà prévenu, mais je suis amoureuse de toi. Il nous autorise à aller explorer la plage de nuit. Ah bon? C'est pas génial ça? J'ai hâte d'y retourner. Il veut son Lugia. Mais je m'en bats les couilles de Lugia. Moi, ce que je veux, c'est mon oh-oh. C'est mon oh-oh. Je veux oh-oh. Je m'en fous de Mew. Je m'en fous de tout. Moi, je veux oh-oh. Je veux mon oh-oh, quoi. Nouvelle zone disponible. La pleine frisquette. La grotte lointaine. Et la plage de nuit. Allez, on va faire la plage de nuit. Putain, mais moi, je veux mon oh-oh, quoi. Je veux oh-oh. Putain, c'est... Ah, c'est mon Pokémon. Peut-être verra-t-il son oh-oh. Mais j'espère, putain, j'espère. Oh, ah, je serai là comme un fou. Oh!
Putain, comment il s'appelle déjà là, le Pokémon ballon là? Voilà le gros drive. Mais il y a trop de choses, il y a trop de choses. Il y a le Mangriffe. Là, il est Stylax. Il est énervé. Allez, vas-y, brille. Oh, ils sont trop chou! Les Prismions. Tiens, gros drive, brille. Tiens, noix de coco, tu veux pas briller? Il faut finir l'histoire avant d'accéder au Pokémon légendaire. Ah, merde! Ah, merde alors! Putain, il faut finir l'histoire pour les Pokémon légendaires! Très honnêtement, cette mécanique de jeu... Eh, attention! C'est Piatop! Ah! C'était nul, putain! C'était pourri, putain. Ah, elle était nulle. Ah, elle était nulle, cette blague. Qui c'est? Mais il va sortir, oui! La lame aiguisée! Oh! Le sévipère! C'était un sévipère! Et le mec vient de spoiler qu'il y avait des légendaires. Ouais, mais c'est normal. C'est normal. C'est Zetsui, c'est normal. C'est normal. C'est normal, Zet, le roi du spoil. Merde, non, je veux jeter ça. Oui! Ah, je voulais aller là-bas. Oui. Oh, la voracerie. Merde. Attention, je suis de doigt de spoiler la liste des 10 légendaires. Non, on spoil pas. Non, je veux vraiment avoir la surprise. Bon, déjà, pour la fin, c'est pas grave. Mais non, là, j'aimerais vraiment avoir la surprise. En plus, c'est 10 légendaires, putain. T'as spoilé à moitié, hein. J'en ai profité pour spoiler le nombre de légendaires. Ouais, salaud, va. Non, putain. J'ai fait comme Zetsui. Vas-y, tu prends de trop belles photos, là. Je vais t'avouer qu'il y a des Pokémon. Non, il y a des Pokémon, sérieux. Il y a des Pokémon dans Pokémon. Je le crois pas. Ouais, le bac à bout. Allez, bac à bout. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a mangé la pomme! Oh! Mais c'est génial! Oh! Hey, Raichu! Mais... Et Exodia le maudit. Non, sérieux? Oh. Voilà le bac à bout, il est pas content là. Oh la photo. Oh les photos de bac à bout. C'est bien, je découvre des Pokémon, c'est... Genre, Bakabou, c'est quoi ça? Bah, en fait, c'est un château de sable. C'est un tas de sable avec une... avec une pelle. C'est nul. Et ça, c'est des Pokémon de Soleil et Lune. Ils sont arrivés avec Soleil et Lune. Te revoilà. Alors, tu as pu observer les différences de comportement chez les Pokémon la nuit. Ah oui, il y en a beaucoup. Tu vas à la plage, tu fais un château, il se transforme en Pokémon, c'est ça. C'est ça. Bah là, d'ailleurs, regarde, là, c'est un Pokémon.
C'est tas de mouchoirs. C'est tas de mouchoirs, c'est un Pokémon. Tas de mouchoirs. Tas de mouchoirs. Ah, merde, je l'ai tué. Tas de mouchoirs. Tas de mouchoirs. Tas de mouchoirs. Bacamorve. C'est Bacamorve. Le Bacamorve. 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 Ah, merde. Il m'attaque. Ah. D'ailleurs, je vais en rajouter pour faire son évolution. Hop là. Et hop, attention. Évolution. Morvlex. Morvlex. Méga Macamorve. C'est Morvlex. On va lui jeter des pommes à Morvlex. Oh putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, les sépiatop. Décidément, les photos, c'est piatop. Hein. On va prendre celle-là, le Raichu. Raichu qui brille. Après, j'espère que tu ne fais que te moucher avec ton mouchoir. Non, mais t'inquiète pas. Ce n'est que de la morve. Oh là là, le concombre qui mange. Oh, mais c'est génial. Le Vorastéri, nul à chier. Oh, le Bacabou. Le Bacabou. Oh là 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 là. On a des photos de 2 étoiles et 3 étoiles. Là, il fait une attaque, on ne sait pas quoi. Allez, c'est parti. Tadmorph, quel Pokémon stylé. Il est Stylax. Oh, mais c'est un gros drive. Eh, dis donc, quand on fait des courses, on peut dire qu'on fait un gros drive. Voilà, voilà. Unfollow. Oh, si on peut plus rigoler. Mangriffe. Mangriffe qui veut pas manger sa pomme. Il aime pas les pommes. Le Prismilon. Boum, 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 boum. On regarde la première parce qu'elle est toujours, elle est très belle. Mais les autres photos, c'est piatop, hein. C'est piatop. Bon, le Raichu, elle est dégueulasse, la photo. Il va me sortir platine, à coup sûr. Même pas. Putain, là, si ça sortait platine, cette photo de merde, remboursé. Allez, c'est vipère, c'est vipère. Bah, elle est cool, la photo, c'est vipère. Ils auraient pu me donner d'autres notes. Hein. Oh, le concombre qui est en train de manger. Pff. Franchement, mais ce système de notation, mais il est pété du cul. Autant les photos, elles sont Stylax. Mais pas pour lui. Pas pour lui. Allez, jolie flore. Ouais, on va mettre celle-là. Allez, on va mettre celle-là. Roll back à vous. Il a essayé d'utiliser hypnose sur toi. Quel talent, tu as pris la photo au meilleur moment. Ouais, il s'est un peu trompé de sens, hein, le Bacabou. Tu démarres en fanfare, c'est bien, continue comme ça. Cool, 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 cool. Fan du type sol, fan du type vol, photographe pro. Oh, je vous en prie. Type psy, type spectre. Oh, le design, type sol. Allez, on rentre à la base.
trouver l'harmonie. Quand tu prends plusieurs Pokémon en photo, fais en sorte d'obtenir une composition harmonieuse. Ouais, quand je prends ta mère en photo, je peux te dire qu'elle est pas si harmonieuse que ça. Pardon, je me laisse aller. Oula ! Allez, let's go, la grotte ! On va aller photographier des Pokémon légendaires. Qu'est-ce que c'est que ça ? Stracy, je connais pas. Oh, je connais pas. J'ai vu... je peux voir un host en fer. Oh ! L'host en fer ! Pour les fins connaisseurs, Ernestine ! Oh là là, ça va être génial. Ah là là, quand Fifou va tomber dessus, ça va être génial. C'est quoi ces trucs ? Statistique ? Qu'est-ce que c'est que ces merdes ? Oh là là, Ernestine ! T'es Ernestine ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, qu'est-ce que c'est ? On va voir Giratina ou quoi ? On va rentrer dans le monde distorsion. Oh là 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 là. Oh, extra, génial. Encore. Il y a des cradopos. Ah là, là, il y a un truc à jeter. Allez, allez, allez. Oui. Ouais, tout ça pour des Magikarp, quoi. Oh, le guéri-aigle. On peut lui envoyer une boule? Ouais, on va essayer. Mais... Oh, c'est pas vrai. Oui, ça y est, ça y est, ça y est. Oh, les cradopos. Oh, il me regarde! Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un... Oh, oh, magnifique! Oh, les Ténéfix! Allez, Ténéfix! Brille! C'est ectoplasma ? Oh, ectoplasma ! Oh ! Oh, je l'ai chopé ! J'en peux plus des devs, je viens de voir une mission, c'est marqué Monsieur Todd veut que je prenne en photo un aquali qui graille une pomme tendre, ils m'ont tué les bâtards. Oh, les enfoirés. Oh, le racaillou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des minerais rares incrustés dans les parois de la voûte de la grotte. Oh là là. Charcos. Il est énervé. Oh, les Ernestine. Oh, magnifique. Oh là là. Qui graille quoi, mais putain, ça va être galère. Oh, le l'ectoplasma! Oh là là, extra! Mais c'est génial! Je fais des super belles photos. Je fais des photos de 10 000 points. Ah, il veut pas sortir là.
magnifique. Mais... Oh, il danse. Ah, génial, il danse. Putain, un aquali qui graille. Je te souhaite bien du courage, monsieur putain. Oh. Putain, un aquali qui graille. Ça va être show time, quoi. Ça va être chaud patate. Hein. Elle est Stracy 2 étoiles. Ah, mais moi j'ai dit ça parce que le mec disait le mot grailler. Ah, d'accord. Non, moi je croyais que c'était chaud. Putain, faire grailler un aquali. Oh là là. Le Ernestine qui danse, quoi. C'était ça qui m'avait choqué. Grailler. Oh. Évolution de Bacamorve. Bon, encore ça, c'est pas très choquant, grailler, encore ça va. Genre dans Pokémon, bientôt le professeur Chen va venir. Wesh, là t'es si bien ou bien. tant qu'il t'invite Pokébab. Ah, ce serait génial, il s'appelle Chef. Ah, si t'appelles Chef, ce serait juste énorme. Sans déconner, photo d'ectoplasma comme ça, une étoile, un truc comme ça, une merdasse comme ça, une grosse flaque de bouse, deux étoiles. Chef Chen, ce vendeur de kebab, pas de vendre des kebabs. Salut chef, tu as la sauce blanche, toi, sauce blanche sur ton Pikachu, chef. Salade tomate oignon, c'est un nouveau Pokémon. En forme de kebab. Le Pokémon kebab. Et à la fin, tu bats la ligue et tu seras pas maître Pokémon, tu seras maître kebabiste. Le Pokémon kebab. Kebab. C'est un peu trop raciste. Kebab, ouais, le Pokémon kebab. Kebabouche, c'est l'évolution de kebab. Oh putain, ça va être. Oh, putain, on va se faire bannir là. Oh là 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 là. Le Pokémon kebab. Et en fait, pour le faire évoluer, il faut rajouter. En fait, il faut une pierre salade tomate oignon. La pierre sauce blanche. Voilà, et la sauce blanche, c'est un objet tenu par le Pokémon. C'est sauce blanche pour le faire évoluer. En fait, c'est un Pokémon en 3 étapes. C'est un Pokémon 3 étapes. Oh là là, Cradopo, il est beau. Hein. Cette photo est très bien cadrée et le résultat est plus harmonieux. Bah putain, en même temps. Bon, le Magikarp, elles sont nulles à chier ces photos. Ah bon. Catégorie cadrage. On ne voit que rarement ce genre de comportement. Ouais, il est en train de voler des pierres, je sais pas. Ectoplasma qui sort de son trou. C'est tout. Oh, le Rakayu qui dort. Ine. Maître kebabiste. Ça pourrait être pas mal, ça. Nos explorations nocturnes ne font que commencer. Bonne chance pour la suite. Ouais, allez, on va débloquer le niveau 2. Oh, pro de la photographie. Depuis le temps que j'ai le pro de la photographie. On va garder celle-là.
Celle-là, elle est géniale, celle-là. Que se passe-t-il? Celle-là, on va la prendre. Celle-là aussi, celle-là aussi. Et ça, mis surprise! Ouh! Ah là là, elle est géniale celle-là. Il est où Ernestine qui danse? Mais ah, oh, je l'ai loupé. Allez, j'enregistre celle-là. Allez, c'est parti. On va recommencer, allez, on va recommencer. Gambattere. Et si je relance une pomme? Hein? Et il s'est barré. Non, ils réagissent pas. Hein. Oh, la pomme buggée. Oh, la pomme buggée. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? J'étais happé par les Ernestines. Voilà, hop là, tac. Allez, viens là. Mange la pomme. Oui, mange la pomme. Fata. Allez. Ouvrons l'œil et le bon. Oh, un Oniglali. Ah, yes. Ouais. Mais j'étais tellement happé par ces putains de portails d'ectoplasma de cul. Qu'est-ce que c'est? Oh. Ah. Qu'est-ce que ça va déclencher? Rien du tout. Bon, à part chanter, qu'est-ce qu'il fait de plus? Alténéfix. Allez, on va lui lancer. Hop là. Ouais, voilà, nickel. Ah, salaud. L'enfoiré de salaud. Bon, là, on l'a bien, là, le Ténéfix. Oh, un Ténéfix! Oh là là, nickel! Oh, il est pas content. Hein. Allez, Charcos! Waouh, il est en train de manger! C'est tout?
Ah, c'est ectoplasma. C'est ectoplasma, ouais, c'était nul. Ah, il regarde la fin du parcours. Non, ça fait pas réagir. Oh merde, il y a une fleur Lumina. Mais oh putain! Tout est en ordre, téléportation imminente. J'ai chopé un moucheron. Ok, allez, donc voilà, alors tout s'est bien passé? Oui, j'ai fait des nouvelles découvertes. J'ai fait de belles découvertes même. Voilà, celle-là, elle est bien cadrée. Statistique. Ça est pas mal, là, le charcos qui est en train de manger, là. Oh là là, c'est extra. Là, le Oniglali qui est en train de m'engueuler. Le Cradopo, bon, je sais pas, ils sont en train de chanter, va savoir. Bon, c'est cool, ça fait des photos une étoile. Oh, la Ténéfix. Ouais. Fais le Naruto Runner. Là, le ectoplasma qui regarde le checkpoint, enfin qui regarde la fin. La vie du prof, la classe. Sting! Oh, mais c'est un Stracie, ce qu'il est charmant. Oui, il est en train de manger. Et coucou, salut Killoz, salut, salut, salut. Qu'est-ce qu'on garde? J'hésite à me le prendre, il est bien. Franchement, il est vachement cool, il est vachement cool. Très honnêtement, j'attendais rien. J'attendais vraiment rien de ce titre. Mais alors, je suis époustouflé à chaque fois, à chaque aventure, pas chaque aventure, à chaque mission, je suis sur le cul, je suis comme un fou, je suis vraiment comme un fou. Franchement, il est génial, il est génial, il est génial. C'est limite le Pokémon 3D sur console le plus abouti. Et pourtant, le pire, c'est qu'il n'est pas développé par Game Freak. Il est développé par Bandai Namco, par des développeurs extérieurs. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et franchement, il est génial, il est génial. Franchement, n'hésite pas, n'hésite pas. Franchement, n'hésite pas. N'hésite pas, ça vaut grave le coup, ça vaut grave le coup. Ça vaut grave le coup, autant mes parcours. Voilà. Mais autant toi, tu vas découvrir des choses, sur le même parcours, tu vas découvrir des choses. C'est juste génial, c'est génial. J'ai regardé un petit peu des let's play de youtubeurs, de streamers, je me dis, putain, mais ils découvrent des choses que je n'avais pas vues. Je me dis, putain, mais what? C'est génial, franchement, c'est génial, c'est génial. Autant on voit les mêmes choses, mais autant tu vas trouver des trucs. Putain, c'est pas possible. Franchement, il est génial, il est génial, génial. Ce jeu est génial. Oniglali, ta première photo, 2 étoiles. Iné. Ouais, tu mérites très bon score dans la catégorie cadrage. Ouais, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire en termes de cadrage, quoi. Voilà. Putain, mais professeur, faut vraiment changer les lunettes. Hein. Quand le Cradopo qui chie la pomme. La pomme qui sort du cul. Ah, le Ténéfix. Ténéfix. Ah, le Ténéfix en mode Naruto Runner. Il a l'air pressé. Il va aller dans la zone 51. Ah, génial. À l'ectoplasma. Wow, il a l'air bien calme. Oui, non, mais il est. Pas tout à fait, hein, mais il est. Allez, niveau 2, niveau 2, niveau 2, niveau 2. Merci, voilà, niveau 2. Voilà, comme ça on va pouvoir changer de parcours. Nos recherches continuent d'avancer à grands pas. Les Pokémon du coin se sont sûrement habitués à ta présence à force de te voir. Allez, on met à jour l'album.
Il y a des belles photos. C'est ça qu'on aime. De quoi que le Pokémon chie des pommes. on va garder le Naruto Runner. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, on va la garder. On va garder celle-là, c'est obligé. Celle-là, on va la garder aussi. Elle est cool, celle-là. Ah, quoique celle-là aussi, elle est pas mal. Voilà, on va faire ça. Rentrons à la base. À la base des bases. Ah, alors maintenant, il y a des étoiles. Est-ce qu'on va partir dans l'espace? Yorosne. Va explorer Adamantia. Je suis sûr que tu vas faire de nouvelles découvertes. Ah, Adamantia. Ok. Ouais, bah dans la grotte, ouais. Dans la grotte de niveau 2. Je veux pas trop me spoil, des bisous. Ouais, te spoil pas trop, ouais. Te spoil pas trop, surtout en plus c'est la fin. C'est là, on arrive sur la fin du jeu. Donc ouais, évite de spoiler. Évite de spoiler la gueule si tu veux vraiment pas. Si tu veux vraiment pas. Hello there, salut Empire 66, c'est pour ça que je suis sur la fin du jeu. Ouais, ne te spoil pas trop, ne te spoil pas. Fuis. Oh, des Sonistrel. Le Stracy, oui, mais on en a déjà plein de photos d'elle. Sonistrel. Alors, ah peut-être, merde, c'est peut-être avec la musique. Oh, elles sont trop choupies, statistiques. Je vais les faire briller. Oh, ils sont trop choupis. Ah, merde, ils se barrent. Les Sonistrel. Oh, l'ectoplasma. Oh, la classe. Ah non, ça c'est Ernestine. Là, c'est les Ernestine. Alors, ils sont où les Sonistrel? Oh, sont là-bas, vite, allons-y. Oh là là, sont magnifiques. Pokémon, tabassez-les tous. C'est ça, c'est le jeu. Oh, elles sont trop chou, elles dansent et tout. Oh, des Podrives. Oh là 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 là. Qu'est-ce que... Oh, des mélophées. Des mélophées. Vite, une chanson et une pomme. Oh là 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 là, elle est en train de manger la pomme. Oh, oh lui, oh le cradopo tout chill. Oh là là, mais ça va trop vite, ça va trop vite. Le Charcos, qu'est-ce qu'il fait le Charcos là? Ouah, il est vénère là. Et là, t'as Groudon. Mais il y avait... Ah non, c'est une fleur. Merde. Ah, ne le dis pas en rigolant. Hein. Ne le dis pas en rigolant. D'un coup, il va pop. Oh, Vorastéri. Ah non, merde, c'est Visdibule. Misdibule, je suis con, Vorastéri. Pourquoi je dis Vorastéri, moi? Oui, mais oui, je veux l'analyser. Mais je veux analyser, putain. Ah, fais chier. C'est quoi ce bruit? Mais quel est ce bruit? Un QRM Black. Oh! Oh! Les téléfixes, ils attaquent! Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ces cristaux géants sont formés par la chaleur de la chambre magmatique. Oh là là, les misibules.
Mais dessous, là, il y a des Ténéfix. Oh là là, le Ténéfix. Tiens, mange une pomme, c'est bon les pommes. Je me fais engueuler. Je me fais pourrir. Et là, il y a Goudron qui va sortir. Qu'est-ce que c'est? Oh, les prismilanges, motif jungle. Oh, oh, Sonistrel. Bonjour. Oh, il est en train de faire une ultrason sur la pomme. Ah, il en veut pas. Un Sacha sauvage apparaît. Voilà, ça va être raid. Oh, tu peux te servir du radar ici. Oui, des runes antiques. C'est une des runes antiques de Lantis. Oh là 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 là, mais il y a plein de ruines. C'est magnifique. La fin du parcours n'est plus très loin. Encore? Où ça? Vite! Est-ce la lumière chaude de cette pierre qui permet aux plantes de pousser? Ah ah! Tant que t'es pas rentré, c'est pas terminé. Non mais mec, ça y est, je me fais téléporter. Bientôt Sacha Snap sur Switch. Ça pourrait être pas mal. Ou Red. Red Snap. On va trouver Red. On va trouver Red tout en haut. Là, celle-là, elle est géniale. 3 étoiles la photo. Les Stracy, on n'en a pas. Ah, les statistiques, là. Non, même pas. Oh, les beaux drives là. Ah, les Mélophées, la Mélophée. La Mélophée qui court pour prendre la pomme, elle est trop choupie. Elle est trop chou. Oh là, elle est trop chill. Trop chill. Le Charcos. Oh, ouais, non, mais. Pff. Ouais, mais c'est que des photos 3 étoiles, c'est nul. Les Pokémon contre-attaque. C'est le réveil de Charcos. Après le réveil de la force, le réveil de Charcos. Ténéfix. Voilà, Ténéfix à 2 étoiles, nickel. Oh, Prismilon. Waouh, Prismilon. Putain, la Prismilon. Prismilon 4 étoiles. Là on va avoir du point là. Là on va avoir du point. Voyons voir les photos que tu as prises cette fois-ci. Là on va avoir du point. Oh, Sonistrel. Sonistrel, attention avec ultrason. Il a l'air de vérifier que le fruit est à son goût. Ben ouais, mais c'est pas son goût. Il aime pas. Toujours une bonne idée de capturer d'autres Pokémon dans le champ de la photo. Oh ben j'ai même pas fait gaffe. Ah, il y a un morceau de Pokémon, ça, s'il te plaît. Sacha 1000 étoiles. C'est 3 milliards de points, Sacha, c'est 3 milliards de points. Et Red, c'est 6 milliards. Les statistiques. Ah, on va garder celle-là, elle est belle celle-là. Ça les met bien en valeur, ça les met bien. Avec Baudrive, avec plein de Pokémon là. Là, je veux 50 000 points. Quoi, 202? 202 pour autre Pokémon et ta sœur. Il y a plein de Pokémon là-dessus. Il est mongol ce prof, il est mongol. Plus sans si tu le tabasses avec des pommes. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est plus 200 là, c'est plus 200 même. C'est plus 200 et Red c'est plus 1000 si tu le tabasses avec des pommes. Parce que Red c'est le boss final. C'est le boss des boss. Cradopo tout chilou là. Tout chilou, tout pipou. Allez, on le garde. Crash Arcos. Nice timing. On va mettre celui-là. On va mettre celui-là, parce qu'il regarde l'objectif. Là, le Misdibule. C'est la première fois que tu le prends en photo. Ouais, et c'est une 3 étoiles. Ouais, je dis ça, je dis rien. Photo d'un Misdibule 3 étoiles, comment te dire
voilà, c'est un peu la classe. Ah, il y en a qui prennent en photo des Miss Dibule 4 étoiles, et puis d'autres, non. Voilà, hein. Hop là, voilà. Prismilon, le Prismilon, une photo de Palpatine. Ouais, putain, une photo de Palpatine, non mais ça, ça vaut tout l'or du monde, ça. Ça vaut tout l'or du monde, ça. Ça, c'est une photo high level. Et d'ailleurs, j'y pense. N'oublions pas le Discord de la communauté chevelue qui est officiellement lancé. Eh oui, qu'on se le dise avec la casquette de Mario. Ah, ça pourrait être pas mal, ça. Palpatine et la casquette de Mario. Ça pourrait être cool, ça. Oh, à propos, mes recherches ont bien avancé, j'ai fait une nouvelle découverte. Je te parlerai de tout ça plus tard. On va mettre l'album à jour parce qu'on a des belles photos. Alors, on a les photos de Melofi. Ah, celle-là, elle est marrante. Celle-là, on va la garder aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait garder? Celle-là, ouais, celle-là, putain, celle-là, elles sont classe, celle-là. Enfin, on pourra prendre des photos de Magikarp. Mais on a déjà des photos de Magikarp. Hein. On a déjà des photos de Magikarp. Incroyable, mais bon, on a des photos de Magikarp. Et ça, c'est cool. Attention les yeux, on a des photos de Magikarp. Oh, il est dubitatif. Je n'arrive pas à croire que des végétaux puissent vivre si profondément sous terre. Notre monde est vraiment plein de surprises. Hey, monsieur le prof, c'est quoi le truc important dont vous voulez nous parler? Ah oui, j'ai failli oublier en fait. Le professeur a réussi à localiser le Pokémon luminescent d'Adamantia. Oh, ça va être Groudron. Le signal provenait d'une gigantesque cavité qui se trouve au fond de la caverne. Ça veut dire qu'on a enfin trouvé le dernier Pokémon luminescent. Et on compte sur toi pour immortaliser votre rencontre. Ouf. Allez, on va peut-être conclure ce stream par le Pokémon luminescent. J'espère que c'est pas un fou sardine. Parce que alors là, c'est de l'arnaque. Selon la légende, cette météorite aurait frappé Lantis il y a 2000 ans. Où peut-il bien être? Je vous le demande. Là! Oh! Ne t'approche pas trop vite, ce serait dangereux. Avance avec prudence. YOLO! Oh, c'est Stylix! Il doit être dans une de ces cavités. Essaye d'y lancer des pommes tendres. Où ça? Là? Merde. Non, là. Oh, je crois que j'ai... Oh! Et si je lançais des balles? Oh là 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 là! Oh, cet enfoiré, Styx! Salaud!
Ce Pokémon n'a aucun but dans la vie qui sert à rien et qui évolue un punaise de Léviator. La logique Pokémon. Vu sa taille, il va falloir plusieurs orbes Lumina. C'est clair qu'il est complètement inutile le Magikarp, mais. Mais YOLO. Une présence semble se dissimuler dans ce brouillard. Oh! Il est où? Il est où? Oh! Là, je peux faire une fleur de cristal. Oh la vache, j'arrive pas à le choper! Oh putain! Pouh! Oh la photo! Il faut lance-roquette sans hésiter, mais putain, ce serait génial le lance-roquette là! Il a pas ça le prof, putain, ça serait cool! Waouh, putain, mais la queue de Stylix, on s'en branle! C'est le cas de le dire! Allez, faut reviser les cavités, c'est ça? Des tremblements se font ressentir, ils proviennent du fond de cette cavité. Allez, 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 les boules! Les petites pommes, les petites pommes! Allez, les petites pommes! Merde! Oh, il est là! Merde, ça n'a pas marché! Sacre bleu! Oh! Ah là, la fleur de cristal! Apparaît, trou de balle! Je crois qu'il est parti. Tu voudrais faire un petit détour? Tu voudrais bien faire un petit détour avant de rentrer? Bah oui. J'ai remarqué quelque chose pendant que tu poursuivais Stylix. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Ce Stylix est dopé, je dis ça, je dis rien. C'est clair. Tu te souviens de la paroi effondrée? Il semblerait qu'il y ait une grande pièce derrière. Et d'après l'analyse du radar, cette pièce serait de construction artificielle. Quoi? Allons inspecter ça de plus près. What the fuck? Une pièce artificielle? Waouh, professeur, c'est quoi cet endroit? Je pense qu'il agit encore des ruines. Qu'il s'agit encore des ruines liées au Pokémon luminescent. Purée, on se croirait dans Pokémon, mais c'est le meilleur opus Pokémon sorti sur Switch! Un truc de fou! What the fuck? Cette fresque! D'accord. Il y a 2000 ans. Ah, vous m'avez fait peur. Pourquoi tant d'enthousiasme? Parce que ça signifie que cette fresque date de la même époque que la chute de la météorite. C'est une incroyable découverte. Cette fresque est donc une représentation de ce qu'ont vu nos ancêtres. Vous croyez que les Pokémon les ont protégés de la météorite? Ces motifs, ce sont ceux des Pokémon luminescents, non? Bah oui! Oui! La Switch qui se tape tous les remakes des plus intéressants, plus inutiles, c'est clair. Il y a un sixième Pokémon. Oh! Oh! Professeur! Oh, pardon. J'ai été perdu dans mes pensées.
Nous avons maintenant beaucoup de données à analyser. Faisons le tri à ton retour. Oh là 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 là. Oh, cette aventure de fou. J'ai tellement de choses à te dire, mais commençons par l'évaluation. J'ai des choses à te dire. Oh, celle-là. Oh, celle-là, mon gars. Celle-là, mon gars. Mais 2 étoiles, putain, 2 étoiles, quoi. 2 étoiles, ça vaut 4 étoiles. C'est Stylix, le Pokémon luminescent d'Adamantia. C'est formidable que tu aies réussi, hein, pense-toi. On dirait qu'il se dirige quelque part. Ouais, il se dirige chez ta mère. Tu t'es donné du mal pour retrouver Stylix dans ces tunnels souterrains. LOL. Alors. Oh, tu as atteint un nouveau niveau d'exploration. Ouvre bien l'œil lors de ta prochaine expédition pour déceler les plus petits changements sur ce parcours. Yes, sir. Le gardien des souterrains. Ah, le filtre BD. Cool. Bientôt, tu visiteras un destroyer stellaire. Tout est possible dans Pokémon, c'est clair. C'est clair. Prends une photo des X-Wing, un X-Wing lumineux. Maintenant que nous avons davantage de données sur les Pokémon luminescents, j'aurai une annonce à faire. J'imagine que tu as hâte d'en savoir plus, mais je te laisse finir de ranger tes photos. Ah oui, je vais mettre l'album à jour. Je veux celle-là. Un Luke Skywalker sauvage apparaît. Merde, non, je veux pas. Pardon. Rentrons à la base. Alors, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? À tes souhaits, merci. Cette île sera certainement notre dernière destination. J'espère que vous êtes prêts. Invasion impériale. Ah là 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 là, on va la faire, on va la faire. Je ne sais pas quoi penser de cette fresque. Si l'on croit son authenticité, ma théorie s'effondre. Il n'y aurait pas 5 types de Pokémon luminescents comme nous le pensions, mais 6. Et leur luminescence serait en fait antérieure à la chute de la météorite. Je pensais que vous seriez déçu, mais vous avez l'air tout content, professeur. Bien sûr, ce n'est pas exactement ce que je m'attendais à trouver, mais ça reste une incroyable découverte. Et ce n'est pas tout. En analysant l'ensemble de nos données, j'ai découvert que toute l'énergie de l'Antis converge vers un même endroit. Le signal est faible, mais nos capteurs y ont aussi détecté l'énergie d'un autre Pokémon luminescent. Oh, tout ça pour capturer un Magikarp, mais ça va être ça en fait, le fail. J'en suis même persuadé. Et du coup, Yous Pokémon, bah, il est dans ton cul ou dans la chatte à ta mère. Et bien, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Il semble se trouver sur une île minuscule qui n'apparaît sur aucune carte. Je pense qu'il s'agit d'Oreas, la fameuse île dont parle la légende. Ah ah, nous voilà enfin face à notre ultime exploration. J'espère que vous êtes prêts à lever le voile sur les derniers mystères de l'Antis. Êtes-vous prêt pour lever le voile sur les derniers mystères de l'Antis? La nouvelle zone disponible. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les ruines du protecteur. Ruines du protecteur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Allez. Dernier shoot du live. Et ensuite, on s'arrêtera là. Comme ça, on gardera le suspense, on gardera la suite pour un prochain live. Sur New Pokémon Snap. Mais le dernier, allez, dernier. Comment ce type te manipule? Ouais, putain, il m'envoie au turf. Connard. Oh, un Démolos! Oh, des blancs cotons!
Une fleur de Christa qui pousse à Auréas. Oh, mais il est luminescent. Mais je veux le scanner. Mais ils sont luminescents. Mais j'ai pas rêvé, ils sont luminescents. Pire que Palpatine. Oh là 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 là, je me fais attaquer de tous les côtés. Oh, Bruverne. Oh! Panta! Putain, le prof, il est pire que Palpatine, c'est clair. C'est clair, le mec, il m'envoie faire le sale boulot. Oh! Il tapait la pause! Tiens, prends une pomme. Oh, des cryptéros! Oh, c'est magnifique. Comme c'est magnifique. Oh la vache. Oh, 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 oh. Le mur est couvert de marques en forme de cœur. Ah oui. Oh, les golemastoc. Des natus. Hey, c'est les Pokémon. Waouh. Neitram. Tiens. Bientôt le Magikarp, j'espère. J'espère. Oh là là, le Golemastoc. Ah, il aime pas. Il aime pas le radar. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il y a de nombreuses entailles très profondes dans le sol. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font à la fleur? Oh là 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 là! Oh, génial! Avec le natu! On dirait qu'il marche pas. Oh, les fleurs de Christa. Oh là 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 là! Magikarp, la Magikarp des enfers. J'espère qu'on va voir un Léviator, hein. Oh putain, les voilà, toutes les fleurs. Il y a un mystérieux piédestal derrière le Golemastoc assoupi. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là! Oh, mais il y a plein de mystères! Il y a plein de mystères! J'espère qu'on va voir des orbes lumineuses! Parce que là, il doit y avoir des trucs à faire avec les orbes lumineuses! C'est obligé! Oh là 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 là! Perso, en ce moment, je me fais Yo-Kai Watch 3. Ah! J'en ai pas fait de Yo-Kai. J'en ai pas fait. J'avais fait la démo. Mais j'avais pas fait Yo-Kai Watch.
Oh là, le démolos là, qui gueule, là, est pas mal. Blanc coton. Bon, on va mettre ça. Oh, les Neitram, quoi. Putain, mais c'est quoi ces deux étoiles de cul, sérieux. Bruiverne, qui est en train de gueuler, pas mal. Oh, le Cryptero. Cryptero, il est génial, la Cryptero. La logo les mastocs, là. Pas mal du tout. Oh, les fleurs de Krista. Mais pourquoi ça le prend pas? Putain, professeur! Pourquoi vous prenez pas les fleurs de Krista? Vous me cassez les couilles avec des photos de fleurs de Krista. Et là, vous ne les prenez pas. Là, vous êtes vraiment un mongol, professeur. Vous êtes vraiment un gros mongol. Bon, je te laisse bon courage pour la suite. Merci beaucoup, Empire66. N'oublie pas le Discord. N'oublie pas de rejoindre le Discord si ce n'est pas déjà fait. Pour ne rien rater des futures actualités concernant la chaîne. On dirait qu'il essaie de t'intimider. Ben ouais, il essaie de m'intimider, cet enfoiré. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Ouais, le blanc coton qui se recueille devant la fleur. Ah là 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 là, les fleurs Lumina. Ah, le Neitram là. Mais il est nul, il fait pas éclairer ses deux billes, ses trois billes là. C'est nul. C'est tout nul. Oh, le Bruiverne. Le Bruiverne qui est pas content. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Il a pas aimé la musique. On devrait essayer de photographier la tête des Pokémon en gros plan. Mais putain, mais mec, ferme ta gueule, quoi. Ferme ta gueule. Cryptero, il fait une attaque psy. Il essaie de t'intimider. Ouais, mais ça a pas marché. Golemastok. Première photo de ce Pokémon. Oh, 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 oh. Il a l'air bien calme. Ouais, mais c'est le calme avant la tempête. C'est un calme avant la tempête qui pue, qui pète. La prochaine fois que tu exploreras les ruines, n'oublie pas de prendre en photo une fleur de Krista qui brille. Putain, mais mec, il y en avait plein de fleurs de Krista qui brillent. Mongol. Putain. Chier. Faites chier, professeur. Voilà. Putain. Mais il est génial, putain, ce jeu est génial, franchement. Mais franchement, d'exploration en exploration, c'est extra, putain, c'est génial, franchement, c'est génial. Ce jeu est juste génial, quoi. D'exploration en exploration, on trouve de ces trucs, c'est juste génial. Mais bon, voilà, c'est sur cette exploration qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, c'était vachement bien. Et bah écoutez, je vous donne rendez-vous dès demain. Alors demain, je pense qu'on fera du Diablo, mais je ne suis pas sûr. Putain, avec la tonne de mouchoirs là, ça fait dégueulasse, ça fait grave dégueulasse. Merde, ça fait gros dégueulasse. on fera peut-être du Diablo 3, maybe, ou peut-être du Pokémon Snap, New Pokémon Snap, et la démo de Miitopia. Je me tâte, très honnêtement, je me tâte parce que là, j'ai vraiment le feu au cul. Déjà de photographier les fleurs Lumina et d'aller vraiment plus loin au niveau de l'aventure, parce que franchement c'est juste génial, ce jeu est juste extraordinaire. Et comme ça aussi, au passage, on fera aussi la découverte de Miitopia, qui a l'air pas mal, qui est plutôt encensé aussi par la critique. On va voir un petit peu, parce que bon,
La critique est plutôt assez unanime sur Miitopia. Au niveau de la démo de Miitopia, c'est plutôt une belle découverte. Donc je serais curieux de faire une belle découverte. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futurs contenus. N'oubliez pas aussi de rejoindre le Discord qui est bien évidemment dans le chat, le lien dans le chat. Voilà pour aujourd'hui, en tout cas, c'était vachement cool, c'était super cool. Merci d'avoir regardé ce live jusqu'au bout et merci aussi d'avoir regardé cette VOD jusqu'au bout parce qu'il y en a bien évidemment qui regardent les VOD et je les en félicite. C'était Foils, je vous dis demain à partir de 14h pour soit du Diablo 3, soit la suite de New Pokémon Snap. Et je pense plutôt qu'on va s'orienter sur la suite de New Pokémon Snap et au passage faire le Miitopia. Mais c'est pourquoi il faut vraiment vous abonner à la chaîne et surtout nous suivre sur le Discord pour ne rien rater de ces actualités et savoir si on fera soit du Diablo 3, soit du New Pokémon Snap. C'était Foils, je vous dis bonne soirée, à demain 14h sur cette chaîne. Ciao ciao.